Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo unboxing, comme d'hab bien entendu. Ça fait un moment que j'ai dit il faut que je la fasse parce que voilà, ça fait à peu près 15 jours que j'attends. Donc du coup, j'ai attendu que tous les colis reviennent, justement. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, ouais, j'ai à peu près 5 cartons à peu près à défaire. Ça fait à peu près 6 lampes en question. Donc voilà, donc du coup on va pouvoir voir ça. Donc on a eu un unboxing de catalogue le dernier coup. Là on va pouvoir, wow, on va pouvoir voir justement les unboxings de lampes. Donc franchement là, je sais ce que c'est. Donc je ne sais pas trop réellement ce qu'il y a à faire. Ouais. Donc du coup voilà, donc ce qui fait c'est que voilà, on a pas mal de choses à faire. Donc du coup voilà. Puis en même temps j'ai mon Valentin qui est en train de... Ouais. Donc du coup là on va pouvoir commencer. Donc du coup j'ai pas mal de cartons. Donc du coup je vais prendre mon petit outil magique, le cutter, et on va pouvoir voir tout ça. Donc le premier carton. Alors là par contre c'est assez bien impacté hein. Vous voyez c'est bien impacté. Franchement c'est un truc de malade. Donc du coup on va essayer d'ouvrir ça. Par contre je vais essayer de... Voilà. Donc on va essayer d'ouvrir ça. Donc ah, pour vous dire, c'est vraiment bien emballé. Voilà. 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 Allez, magnifique. Je sais pas en fait ce que j'ai fait, mais j'ai pas fait grand chose. Puis déjà, j'ai mon cutter qui coupe quasiment rien. Oh. Hop là. Ah, par contre, c'est la merde. Là. Oh, un carton dans un carton, ça c'est super. C'est vraiment de la qualité parce que quand il y a des gens qui mettent un carton dans un carton, c'est vraiment que c'est de la qualité, c'est vraiment bien installé. Ah ouais, ça c'est du vieux carton. Alors, hop. Je fais gaffe de pas péter la lampe. Sauf que le carton est hyper épais. Oh, magnifique. Je fais gaffe de pas péter. Ah, c'est bon. Je fais gaffe de pas péter. Voilà. Oh. Je vous garantis, c'est un truc de malade. Oh. Ah oui, joli. Hop là. Alors, ça, je pense que c'est une HQLR. On dirait un petit Kikou qui déballe ses cadeaux de Noël. Oh, c'est trop mignon. Hop là, donc, je fais gaffe de pas péter. WKTP Baboon. Oh, joli. 250 watts. Ah ouais, ça a de la gueule. HQLR, MBFR. Et en plus, pour de la qualité reprochable, c'est que la lampe, ah, elle est ouverte ici. Donc ouais, ça se voit que c'est comme ça. Donc du coup, une petite donc, lampe Obstram. Donc voilà. Donc une petite lampe Obstram. Donc du coup, je vois qu'il y a du scotch. Qui n'est pas collé. Voilà. Voilà. Alors, découvrons cette belle lampe en question de famille. Oh, ah ouais, c'est magnifique. C'est vraiment de toute beauté. Là, avec les petits caches des familles. Là, ça fait vraiment penser à ma lampe 1000 watts, ça. C'est vraiment petit, une 250 watts. C'est vraiment petit, franchement, je suis sur le cul. Avec le petit cache en dessous. Artung!
C'est vraiment de l'allemand. Franchement, elle est magnifique. C'est de toute beauté. Non, j'ai une petite HQLR 250 watts. C'est vraiment magnifique. C'est peut-être marqué aussi dessus. Ah ouais. HQLR MBFR. Elle vient de l'Angleterre. Non, du coup, voilà. Voilà. Donc, je valide. Donc, la première lampe. Hein, voilà. Et on va passer, bien sûr. Donc, là, je mets ça, celle-là. Ici. Ah. Hop là. Donc, on va passer à la deuxième. Bon. Deuxième carton. Voilà. Celui-là, je crois que je l'ai reçu tout à l'heure. Ah non, c'est celui du dernier coup. Parce que j'en ai tellement récupéré des cartons. Donc, du coup, voilà. Parce que j'ai récupéré tout d'un coup. Donc, je ne sais pas qui fait quoi, qui est truc. J'ai simplement regardé, justement, ce que c'est. Donc, je me suis un peu spoilé parce que j'étais sur mon truc pour voir ce qu'il y avait dedans. Et je ne sais pas réellement la qualité du truc. Hop là. Ah, je peux vous dire, c'est un truc de malade. Hop là. Voilà. Ah, un deuxième. Voilà. Alors, celui-là, je m'en rappelle plus, c'est quoi. Voilà. Oh, ah ouais. Je ne me rappelais plus du tout. Alors. Voilà. Il y a du long. Et on va pouvoir découvrir ce petit truc. Allez, la boîte est magnifique. La boîte est de qualité. Waouh. Franchement, je sais même pas comment je fais pour avoir aussi l'emploi de qualité. On va ouvrir. Hop. Voilà. Voilà. Alors déjà, on va faire tout ça. Voilà. Je vous garantis, c'est un truc de malade. On dirait de la mangue. Est-ce que tu te rends compte? Voilà. Une petite HQLR de luxe, la boîte elle me paraît magnifique. Voilà, une petite HQLR de luxe. Voilà, en 125 watts, je ne savais pas que ça existait. Donc, tu vas pouvoir découvrir ça. En plus, il y a le petit schéma de la lampe. Et en plus, je vois ça qu'en fait, il y avait ça dedans. Donc, la personne a complètement travaillé le truc. Voilà. Voilà. C'est magnifique. HQLR 125 watts de luxe. Ouais. C'est pareil, des moutons à 5 packs, parce que normalement c'est 80 watts, c'est pas 125. Donc on découvre une lampe là, donc, de qualité. Donc là j'ai pas trop grand chose à dire dessus, mais c'est vraiment de qualité. Donc là je remets la lampe. Voilà. Donc là, apparemment, il y a le petit encoche prévu pour. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà. Et elle date de quand, celle-là, par contre? 84. La petite HQL, elle date de 80. Donc, c'est vraiment des boîtes de typiquement 80, quoi. Nous allons passer à la troisième. La troisième, c'est quoi? Oh. Celle-là, je crois savoir ce que c'est. Je m'en rappelle plus. Je vais regarder quand même. Voilà. Ça en fait des cartons, hein. Là, ok. Voilà.
Ah ouais. Vous savez quand même qu'il y a des lampes sodium assez spécifiques. Et justement, une petite Plantastar. Donc je connaissais pas du tout. Si je connaissais Plantastar, on va pas me prendre pour un demeuré. Mais j'en ai jamais vu, donc je ne sais pas réellement. Donc c'est la lampe spéciale horticole. Et donc du coup, ouais, toujours le CCG, toujours 230. Voilà, appareillage requis. Et comment elle est à l'intérieur de la lampe? Oh la vache, le tampon. Waouh. Wow. Plantastar. C'est même pas nafté, zonté, machin. C'est vraiment Plantastar. Et le tube, il est vraiment chelou parce que je ne sais pas ça fait quelle couleur. Il y a deux guettères. Il y a double guettère. Hein, là. Double guettère. On le voit très bien, le petit carré. Plantastar 400 watts. Et apparemment. T'as bien d'outine! Bonjour! Hein, t'as bien d'outine! Alors du coup, il y a AG. Est-ce que c'est AG fluide? Sans mercure, quoi. Ou avec mercure? Ça, je n'en sais rien du tout. Mais elle est magnifique. Bon, pas mal. Je valide. Voilà. Une petite Plantastar de qualité. Voilà. Une petite Plantastar. Franchement, c'est ma première Plantastar que j'ai. En plus, bon, elle est récente, ça va. Mais j'en ai jamais vu. Donc, du coup, je suis hyper content de voir une Plantastar. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir passer à la quatrième. Donc, du coup, on va passer à la quatrième. Donc, du coup, là. Donc là par contre, je me rappelle plus c'est quoi. Ah oui, alors ça par contre c'est une tuerie. Et on dirait que c'est les mêmes sociétés qui a fait ça parce que j'ai remarqué que... Ah putain, c'est hyper chiant leur truc. Voilà. Oh. Oh. Oh, oh. Alors là-dedans, je sais ce qu'il y a. Mais je vais découvrir en même temps avec vous. Parce que alors là, ça, c'est, on va dire, une lampe spécifique que je rêvais d'avoir depuis tant d'années. Et là, c'est un rêve de qualité. Alors déjà ça. Voilà. Voilà. Oh la vache. Une vieille lampe mixte comme ça là. Je sais même pas si c'est de la lampe mixte parce qu'à la base c'était pas celle-là. HWL, même pas MBTF, une vieille Osram de je ne sais pas quelle année. Alors là, celle-là, elle doit dater de vieux. HWL, 250 watts. Voilà. Une HWL des années 70-80 à peu près. C'est impressionnant. Donc là j'ai ça, par contre faut que j'en fasse ce petit scotch parce qu'il est un petit peu décollé le truc. Mais voilà, donc une bonne vieille... un bon vieux carton des années 80. 70 plutôt. Et on va passer à l'autre. Voilà, par contre celle-là c'est un rêve absolu que je rêvais d'avoir. Si vous savez, ça fait depuis X temps que j'en voulais une. Et je vais pouvoir en voir une en vrai. Je vous garantis que quand j'ai vu cette lampe-là, c'était il y a en 2003 à peu près, quand j'ai vu Osram pour la première fois parce que j'avais les cartons de lampe Osram. Voilà. Ouais, magnifique. Ah, il y a double protection. Ah ouais, on plaisante pas avec RTL. Hop là. Voilà.
Voilà. Ah ouais. Franchement, c'est une tuerie. Ma première HQLB. Voilà. Ma première HQLB, ma Mercure Globe. Franchement, je suis sur le cul. Parce que ça fait au moins une quinzaine d'années que j'en voulais une. Je ne pouvais pas, bien sûr, comme c'était avec Excel. Il fallait commander le carton complet. Justement, par rapport à ça, c'est impressionnant. Je vais découvrir une lampe que ça fait plus de 15 ans que je voulais. Ah ouais. Ah, ça dépote. Ah ouais. Ça, ça dépote. HQLB Super Deluxe. 80 watts. Ah ouais. Vraiment un globe. C'est un globe normal comme une lampe incandescente, sauf que c'est en BF 125. En BF 80. Oh là là. C'est vraiment une tuerie, je vous garantis. Là, c'est un rêve devenu réalité. C'est un truc de malade. Là, donc là, du coup, on va remettre la petite lampe. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc du coup, j'ai la HQLR Deluxe et la HQLB Super Deluxe. Voilà. Et au dernier carton. Donc du coup, le dernier carton. Là, par contre, c'est hyper lourd. Je pense que c'est la deuxième Mercure Réflecteur aux ennemis. Mais t'en as pas assez d'une seule. Ouais, mais celle-là, elle a une particularité. Donc là, par contre, c'est hyper bien sécurisé. Vu l'épaisseur du carton, je vois que le mec, il a fait ça proprement. Là, là, là. Là. Ah, c'est vraiment bien protégé, hein. Franchement, il plaisante pas le mec. Hein. Hop là. Oh. Ouais. Bon là il n'y a pas le carton d'emballage mais c'est magnifique. Ah, par contre là c'est chiant leur système de plastique là qu'il faut entourer là. C'est bon. Voilà. Oh, oh, oh. Là, là. Ouais. Du machin, quoi. Ah, c'est vraiment... Franchement, les gens, quand ils emballent des lampes, ils savent quand même que c'est vraiment de la qualité. Ah, c'est même une pâte à scouille en fait. C'est bien. A few moments later. Oh. Ah oui, joli. Là, que la même, sauf que là, c'est une HQLR 250 watts fabriquée en Allemagne. Oh, c'est magnifique de toute beauté. Elle est vraiment bien, celle-là, en fait. Ça se voit que c'est une lampe qui est toute neuve, parce que le culot, il est de toute beauté. Et donc, du coup, voilà, ça fait vraiment pas mal de choses. C'est magnifique, quand même. Ouais. C'est vraiment... je pensais pas avoir ces lampes-là. Ouais. Donc, une petite HQLR 250 watts. Voilà. Donc, bah, on va pouvoir se laisser dessus. Donc, celle-là, elle ira rejoindre les petites Mercure réflecteurs qu'il y a en haut.
Parce que comme j'ai pas d'emballage, je vais la mettre avec là-haut. Et non, du coup, c'est vraiment. J'imagine pas la HQLR 400. Que je prévois me commander. HQLR 400, donc du coup, on va pouvoir voir ça. Donc voilà, donc la petite lampe en question qui se termine. Donc, voilà, moi, ça me fait plaisir d'avoir découvert avec vous des lampes moutons à 5 pattes et puis en même temps de qualité. Hein. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et puis en sortie en courant, peut-être que je me reprendrai des lampes plus tard, à l'occasion. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Une petite HQLR 250, donc deux versions. L'HQLB, l'HQLR 125, la mixte. Et puis, je ne sais plus quoi, la Plantasta. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et 6, oui, voilà. Donc ça fait, ouais, ça fait 6. Donc voilà un petit peu le truc de la question de la vidéo. On se retient en courant pour une nouvelle vidéo, donc je pense savoir un peu ce que ça sera. Là, voilà, donc c'était un peu compliqué. Je sais pas si vous avez vu que mardi, il n'y a pas eu de vidéo. Bon, c'était parce que, voilà, j'avais pas trop eu le temps de faire des vidéos. Et donc, du coup, voilà, donc ça fait plaisir. Voilà, donc, voilà, donc ça, c'est normal. Hein. Si des fois, il y a des vidéos que je n'ai pas, c'est pas la peine de chercher. Voilà, c'est parce que j'ai pas le temps de faire la vidéo, donc du coup, j'ai pas le temps de record. Donc du coup là c'est pas grave, donc on se retient au jus pour une nouvelle vidéo. Bah ça en fait des lampes, hein. Ah c'est pas faux.